Hey, vous avez vu ça? Non, pas ça. Je veux dire ça, là. Oui, ce mot-là, iode. J'avais jamais réalisé non plus. Pourquoi y a-t-il de l'iode dans le sel? J'ai une minute pour vous le dire. L'iode est un micronutriment, c'est-à-dire qu'on trouve en petite quantité dans certains aliments et on en a besoin pour être en bonne santé. On en trouve là, 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 là et là. Mais parfois, il n'y en a pas assez. Donc cet organe-là ne peut pas produire cette hormone-ci. Chez une femme enceinte, si cette hormone n'est pas là, le cerveau du fœtus ne se développe pas normalement, entraînant par exemple un retard mental irréversible. Chez l'adulte, cette carence sur le long terme entraîne une hypertrophie de la thyroïde, des problèmes de la santé mentale et des troubles cognitifs. Donc ajouter de l'iode au sel permet d'éviter tout ça. C'est pourquoi l'OSA vérifie tous les 5 ans la consommation d'iode chez les enfants et les femmes enceintes. Maintenant vous savez, mais vous savez pas encore tout, plus d'informations sur notre site web. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, mais aussi de vous abonner. À bientôt pour une prochaine vidéo.